Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing, voilà. Donc, pour les connaisseurs, vous devez deviner d'où ça vient. C'est un tube en carton. Donc, je le dis pas, mais je vais ouvrir avec vous. Voilà, j'ai craqué sur cette toile. Je vous avouerai que ça fait un moment que je l'avais dans ma ligne de mire. Mais bon, le prix m'a arrêté, hein, parce que c'est un vendeur qui coûte très très cher. Donc je craquais pas, je l'avais dans mon panier, j'attendais. Et puis j'ai une copine sur YouTube qui l'a acheté, donc du coup j'ai craqué, je me la suis offerte, voilà. Mais bon, de toute façon j'ai envie de vous dire, hein, c'est compliqué de se retenir quand on a une passion aussi dévorante que le DP, malgré que j'ai énormément de stock à la maison. Quand j'ai un modèle qui me plaît, eh bien, j'essaye de me retenir, mais là, au bout d'un moment, on ne peut plus. C'est pas possible. Voilà, donc c'est un DP de chez Evermoment. Voilà, donc c'est un DP qui font sur leur boutique, hein, c'est pas personnalisé, rien du tout. C'est un DP qui font eux, et ça fait un moment que je le voulais. Alors, donc comme d'habitude, hein, les machins en plastique qui sont complètement explosés, ils devraient mettre des trucs en ferraille, ça coûterait plus cher, mais ça serait pas plus mal. Donc j'ai le toolkit, j'ai les sachets, je vais vous montrer tout ça après. J'ai des morceaux de plastique, j'ai les deux sachets de diamants, et j'ai la toile. Hop, donc la toile, je la mets de côté, on va regarder ça après. Les diamants également. Donc voilà. Donc chez Evermoment, Official Store, ils nous mettent toujours des petits sachets comme ceci. Donc ça, c'est vraiment cool parce que on en a pas mal. Et puis en plus, même s'ils sont pas très très grands, ils sont quand même d'une bonne qualité. Voilà. Donc du coup, pour les personnes qui se servent de sachets, quand on reçoit un sachet comme ça, c'est super cool. Voilà. Donc des petits sachets. Ensuite, on a toujours un petit cadeau, donc du washi tape, ou du masking tape, voilà, donc siglé Evermoment. Bon, c'est un peu dommage, hein, j'aurais préféré avoir du violet que du vert comme ça, mais bon, ça, c'est voilà, c'est un cadeau, on ne choisit pas, donc toujours contente qu'il soit là, voilà. Hop, ensuite, on a le toolkit. Donc, je leur montre, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les connaissent, mais bon, il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, donc du coup, c'est qu'il y a forcément des nouvelles personnes, donc peut-être que ces nouvelles personnes ne connaissent pas, donc voilà, je préfère tout remontrer. Donc, dans le kit de chez Evermoment, nous avons une barquette blanche, comme ça. Donc, moi, ça, c'est pour l'instant, c'est la meilleure des barquettes que j'ai, hein, pourtant, j'en ai essayé pas mal. C'est sur celle-là que je reviens toujours. J'en essaye plein, mais c'est toujours sur celle-là que je reviens parce qu'elle est vraiment très pratique, elle prend pas trop de place, elle est de bonne qualité. Enfin voilà, c'est toujours sur ces barquettes-là que je reviens. On a un stylet rose avec un multiplacer de 3 et 2 petites mousses violettes. Donc là, moi j'ai une petite mousse qui est un petit peu abîmée, mais bon, je m'en sers pas, donc voilà. On a un multiplacer, donc celui-ci ça doit être 5 ou 6, je ne sais plus. Voilà, on a une pince, alors la pince elle est vraiment top, hein. Celle-ci c'est une des pinces noires, donc toutes les pinces noires en général elles sont bien, mais celle-ci j'aime beaucoup le bout là qui part comme ça, hop, voilà, je les aime vraiment beaucoup leurs pinces. Mais bon, après, toutes les pinces noires font très bien l'affaire. Et alors là, j'ai le droit à un petit macaron. Alors, il me semblait qu'on m'avait dit que les macarons, c'était que quand ils faisaient des promos. Je ne l'ai pas acheté en promo, ma toile, parce que quand vous allez savoir le prix, je l'ai payé assez cher. Mais j'ai un petit macaron. Bon, le orange, je l'avais déjà, mais c'est plutôt mignon, quoi. Ouais, c'est plutôt sympa. Hop, donc je referme avec de la colle dedans, hein, j'ai oublié de le dire, avec 4 pains de cire dedans. Voilà, donc ensuite, hop, on a toujours deux petites pages. Donc, la première, c'est pour nous expliquer, donc c'est en anglais et en allemand, pour nous expliquer la différence entre les diamants en résine et les diamants acryliques.
Voilà. Donc, ils expliquent plein de trucs, mais bon, vu que c'est en anglais, les gens, je pense que ça ne m'intéresse pas de lire ce genre de choses. Et ensuite, donc, j'ai la feuille de route avec l'image. Et au dos de la feuille de route, ils expliquent que, voilà, dans les petits sachets, il y a entre 160 et 200 diamants. Et dans les gros sachets, il y a entre 800 et 1000 diamants. Mais alors ça, là-dessus, je leur fais totalement confiance parce que j'ai fait... pour l'instant, j'ai fait qu'une seule toile de chez eux. J'en ai deux à la maison. Mais la seule toile que j'ai faite, il me restait 50% des diamants, quoi. Donc franchement, même s'il y a... moi, j'ai eu pas mal de déchets parce que j'avais beaucoup de 939 et il y avait beaucoup, beaucoup de déchets, même dans les 310. Mais franchement, j'ai rien à dire là-dessus parce que la quantité, il y avait largement ce qu'il fallait. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai ma petite feuille de route. Donc vous allez reconnaître, si vous regardez la chaîne de Lucie Dépée, vous allez reconnaître... l'image, parce qu'elle se l'est commandée. Voilà. C'est Ariel, la petite sirène. Donc, je sais que Lucie, tu es une grande fan d'Ariel, voilà. Donc, je te l'avais dit de pas te sortir cette vidéo parce que tu allais me faire craquer. Et ben voilà, t'as réussi. Vous voyez, vous me dites souvent en commentaire que non, Hélène, je vais plus regarder tes vidéos, tu me fais craquer. Mais même moi, quand je regarde les vidéos des copines, je suis tentée également. Voilà, vous n'êtes pas les seuls. Donc du coup, alors, c'est une 40 par 50 que j'ai prise. Lucille l'a pris en 30 par 40. Et moi, je voulais un petit peu plus grand parce que déjà, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les formes un petit peu arabesques, style mandala et tout ça autour. Et je voulais voir en plus grand ce que ça donnerait. J'avais peur qu'en 30 par 40, ce soit un petit peu juste, que ce soit un petit peu flou. Bon, ça se trouve, en 40 par 50, ça sera pas mieux, mais j'avais envie de prendre un peu plus grand, voilà. Et puis, je pouvais pas prendre plus grand, de toute façon, parce qu'après, au niveau du prix, non, c'était trop compliqué pour moi, trop cher. Voilà, donc une 40 par 50, j'ai 32 000 diamants à poser, et j'ai 24 couleurs, voilà. Donc, ça, c'est le petit plus. La feuille, elle est vraiment très, très jolie. Hop, voilà. Et donc, ensuite, j'ai la toile. Alors, j'ai eu un gros doute avant de vous tourner cette vidéo parce que, comme vous savez, chez Evermoment, là je le vois à travers, c'est plutôt pas mal. Ils ont changé leur papier. Il est glacé. C'est marrant ça. Et puis la toile, elle n'est pas dentelée, vous avez vu? Pour les connaisseurs, la toile n'est pas dentelée et le papier, il est brillant. Je ne sais pas si vous vous en... voilà, là vous vous en rendez compte avec le reflet. Il est glacé, donc ça a peut-être changé. Parce que moi, j'ai le souci hein, avec Evermoment. J'ai beau remettre mon papier comme il faut. Là, je sais que j'ai deux toiles qui m'attendent de chez eux. J'ai peur de les faire parce que même si je chasse toutes les bulles d'air, j'ai des rivières comme pas possible. Donc, je crois même que le dernier unboxing que je vous ai fait avec la rose de La Belle et la Bête, je ne l'ai même pas ouverte parce que j'avais trop peur de faire des rivières. Donc là, je me suis dit, c'est quand même dommage de vous faire un unboxing et vous ne voyez pas la toile, quoi. Donc j'ai prévu un plan B. J'ai pris mes petits papiers. Là, en plus, j'ai regardé une vidéo de Pauline hier où elle refaisait, donc elle vous remontrait comment elle mettait ses papiers. Donc je pense que je vais faire pareil. Alors après, la texture, ça me semble la même. Donc... oh là 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 là. Alors là, c'est pas bon par contre. C'est pas bon du tout. J'ai la colle qui vient complètement avec. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont été nous foutre comme papier là-dessus. Ça se décolle pas. Alors là, j'ai la colle qui vient avec. Ah non, là, c'est bon. Oh, ça fait pas beau. Oh, ah ben, je vais le retirer. Je vais pas chercher, je vais le retirer tout de suite. Le... oh là là. Non mais là, ça va être litige direct. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Attendez, je retire tout parce que dès que je m'arrête, c'est encore pire. J'ai carrément un trou de colle là. Regardez, j'ai la colle qui est restée sur le papier. Non mais combien j'ai payé cette toile? Je l'ai payé 28 euros. Vous croyez que je paye une toile 28 euros pour avoir la colle qui s'en va? Non mais attendez, regardez. C'est carrément abusé quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai pas envie de l'abîmer encore plus. Regardez là, j'ai carrément un trou de colle. Ah ouais non mais là je vais leur envoyer tout de suite les photos et ils ont intérêt de faire quelque chose. Hein.
Parce que là, au prix de la toile, c'est pas possible. Oh, non, mais regardez, le papier, je sais pas si vous voyez, quand je lève le papier, la colle vient avec. C'est horrible. Oh, non, mais là, je suis dégoûtée, quoi. Ah bah là, ils vont intérêt de changer leur papier direct. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, j'ai des parties de la toile sans colle. Oh, non, mais ça va pas du tout, ça. Oh là là, oh, c'est de pire en pire. Oh, au secours. Non, mais c'est quoi ce délire? Ah non, mais là, il me renvoie une toile. Oh, ah non, mais j'en ai rien à fiche, il me renvoie une toile. Oh, 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 oh. Ah non, mais c'est mort. Je vire le papier. Là, je le déchire, même ça me gave. Non, mais sérieux. Regardez, avec leur nouveau papier, j'ai toute la colle de la toile qui est restée. Oh, ah bah alors là, je pensais avoir un super bon unboxing, j'étais trop contente. Non, mais là, c'est mort. Hein. Là, je leur fais une vidéo, une photo, tout ce qu'ils veulent, ils me renvoient une toile. C'est même pas la peine. Regardez-moi. Alors, la toile, elle est très belle. Hein. J'ai même pas envie de la regarder. J'ai même de la colle sur le doigt. Non, mais c'est pas possible. C'est... Regardez. Oh. Ah ouais, non, mais là, non. Non, c'est mort. Franchement, là, je suis pas du tout contente, quoi. Quand on voit le prix qu'ils nous font payer les toiles, non, mais là, c'est mort. Je vais couper la vidéo, je vais faire toutes les photos, je vais leur envoyer un message tout de suite. Et au pire, je vous finirai la vidéo dans quelques jours quand j'aurai leur réponse. Parce que là, franchement, déjà que je suis toujours en colère contre eux parce que ça coûte une blinde et que ça met un mois à être expédié. Mais alors là, non, c'est mort, quoi. Si vous voulez faire des tests, les gars, faites quelque chose de mieux, quoi. Parce que là, ah non, 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 mais c'est horrible. Bon bref, je vous laisse pour le moment et je vous laisse la suite de la vidéo pour voir, pour voir comment vont se passer ces péripéties. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc me revoilà pour les suites de cette, la suite de cette vidéo et de ces péripéties. Donc ça y est, hein, je suis un peu plus calme. Je suis désolée, je pense que la première partie de la vidéo avait été assez mouvementée, mais j'étais tellement en colère que voilà, j'ai pas pu me retenir. Donc, que je vous explique. Donc, du coup, j'ai pas fini de vous montrer les diamants. Voilà, j'ai rien fini de vous montrer. Je voulais vraiment résoudre ce problème. Donc, je vais finir de vous montrer ce que j'ai dans mon tube Evermoment. Et je vais vous parler. Donc, j'ai reçu leur réponse. Et je me suis arrangée avec eux. Donc, dans un premier temps, je leur ai envoyé un message pour leur dire que, tout simplement, j'étais en colère. Qu'il y avait un gros problème sur ma toile, que j'avais des zones sur ma toile sans colle et que ça n'allait pas du tout et que je voulais absolument qu'ils me renvoient une toile. Donc voilà, ils m'ont répondu le lendemain. Faut que je vous montre le message qu'ils m'ont renvoyé parce que quand ils m'ont envoyé le message, j'étais encore plus en colère. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que le message, je vais vous le mettre maintenant. Donc voilà, donc vous avez vu la réponse qu'ils m'ont donnée dans un premier temps. Là, j'ai dit, ils se foutent, je suis désolée, hein, je vais dire un gros mot, mais ils se foutent vraiment de ma gueule. Parce qu'ils me demandent de réparer ma toile moi-même. J'ai payé cette toile 28 euros. Ils me demandent de la réparer moi-même à cause que, ils ont voulu bien faire. Hein, dans un premier temps, ils ont voulu changer la colle parce qu'ils se sont, à mon avis, ils ont eu des retours sur le fait que les toiles Evermoment, dès qu'on les reçoit à la maison, c'est vrai qu'à peine on ouvre la toile, même si on veut commencer à la faire maintenant, les rivières se créent d'elles-mêmes. Moi, j'ai eu le problème sur mes toiles Evermoment, j'en ai pas énormément, mais dès qu'on retire la toile, le papier blanc, les rivières se forment à l'œil nu. Voilà. Donc, ils ont voulu bien faire, hein. Ils ont voulu changer leur colle et tout ça, mais bon, ok, c'est bien, mais faites un test avant d'envoyer ça au client, quoi. Parce que là, c'est pas possible, on enlève le papier blanc, il y a la colle qui vient avec, donc non. Donc voilà, mais ils sont vraiment, vraiment très gonflés de m'avoir demandé de mettre du double face sur ma toile, quoi. À 28 euros, non, je suis désolée. Ou alors je le fais, mais vous me remboursez une partie, parce que là, c'est carrément abusé. Donc du coup, après ce message, donc bien évidemment, je leur ai demandé, j'ai été cash hein, parce que franchement, j'étais énervée quand ils m'ont répondu ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple, c'est soit vous me renvoyez une toile, soit j'ouvre un litige. Parce que là, c'est hors de question que je répare ma toile moi-même à ce prix-là, quoi.
Voilà. Donc du coup, ils ont été très cordiales après, ils ont vu que j'étais en colère, donc ils ont essayé d'apaiser les choses. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on vous renvoie la toile. Donc je leur ai dit, j'espère que ça sera renvoyé rapidement, parce que j'ai déjà attendu 3 semaines pour qu'elle arrive à la maison. Moi, ça va, parce que j'ai plein de toiles en stock et que je ne vais pas la faire maintenant. Mais je me dis, la pauvre personne qui veut se faire un plaisir, qui se commande une toile chez eux, qui n'a pas du tout de stock et qui attend qu'une chose de la recevoir... Bah, elle attend 3 semaines et elle est obligée de rattendre 3 semaines, 1 mois pour recevoir la toile parce qu'elle n'était pas en bon état. Donc, je ne suis pas d'accord, quoi. Donc, bon, ils m'ont assuré que ça serait renvoyé rapidement. Ça, j'y crois pas trop. Franchement, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo si j'y pense. Pour moi, là, je suis bonne à attendre 3 semaines, 1 mois encore. Donc, voilà. Et du coup, si vous avez bien vu sur le message, si je réparais ma toile moi-même, ils voulaient me donner 4$ de réduction sur ma prochaine commande. Alors, j'ai envie de vous dire, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu sourire, parce que déjà, j'avais plus du tout envie de commander chez eux. Mais en plus, 4$, c'est que dalle, quoi. 4$, ça fait 3€ et des bananes. Quand on voit qu'une 30 par 40 chez eux, c'est... Ça dépend, entre promo et pas promo, mais c'est entre 18 et 25 euros une 30 par 40. Vous m'excuserez, mais bon, retirer 3 euros, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Donc du coup, vu qu'ils me renvoient ma toile, et bah, écoutez, j'y suis allée au culot, parce que moi, j'estime avoir subi un préjudice. Voilà, ils me font attendre, il a fallu que je prenne des photos, il a fallu que je fasse une réclamation, enfin voilà, quoi, c'est pas normal. Donc je leur ai dit, bon bah très bien, merci de me renvoyer ma toile. Et pour le coupon de 4$, comment fait-on? Parce que bah, moi, j'aimerais bien l'avoir. Donc, je pensais pas qu'ils accepteraient de me le donner parce que vu qu'ils me renvoient la toile, ça leur fait une perte de leur côté aussi. Bon, après, c'est de leur faute, hein, mais ça leur fait une perte parce que bah, ils payent 2 toiles pour une. Et du coup, donc, ils m'ont répondu. Donc là, je vais pas vous montrer le message, je vais vous le dire. Hein, ils m'ont dit clairement, bah, écoutez, vu qu'on vous renvoie votre toile, normalement, vous n'aurez pas le droit aux 4$. Mais vu que nous voulions que vous soyez satisfaite et que, voilà, machin, un truc bidule, hein, Pipo et compagnie, on vous déduira 4$ sur votre prochaine commande. Donc, je sais que c'est un système que j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais fait. En gros, il faut que je fasse une commande impayée chez eux. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du paiement, au lieu de payer par carte comme je fais d'habitude ou pour les gens qui payent par PayPal ou autre, bah là, il y a une case à cocher en bas. Donc, je ne sais plus ce que c'est marqué exactement. Et donc, en fait, ça va leur envoyer la commande chez eux, mais elle ne sera pas payée. Et ils vont réussir à me déduire 4$ de cette commande. Donc, j'ai dit « Ok, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Je passerai commande dès que possible. » Et bien évidemment... J'en ferai une, mais j'attendrai les promos. Voilà, comme ça me fera encore moins cher. Donc, je vous en reparlerai au moment que je vous ferai l'unboxing de cette nouvelle toile. Donc, je ne sais pas du tout encore ce que je vais commander. Mais si je le fais, parce qu'ils m'ont quand même beaucoup, beaucoup refroidi hein, avec cette histoire. Si je le fais, je vous en parlerai comment ça s'est passé, s'ils m'ont bien validé mon code promo. Et puis, au pire, je vous montrerai la nouvelle toile que j'ai reçue de leur part. Voilà, donc du coup, on va finir l'unboxing quand même que je vous montre. Donc, je vous avais montré le toolkit, le cadeau et les sachets. Par contre, je ne vous ai pas montré les diamants. Hop, et puis la feuille de route, donc je vous l'ai montré, mais vite fait. Hop, alors du coup, ce jour-là, j'étais en colère. Voilà. J'ai quand même fait mon compte de diamants parce que je me suis dit que ça serait le comble qu'il me manque des diamants. Donc, quitte à demander une réclamation, autant demander tout en même temps. Donc ça, par contre, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à leur reprocher. Je vous descends un tout petit peu sur mes mains, voilà. J'ai bien... Alors, j'avais pas peur au nombre de diamants parce qu'ils en mettent quasiment 50% de plus. Voilà, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça serait peut-être un jeu sympa à faire. Je ne vous en dis pas plus, je réfléchis à quelque chose, mais si j'ai... Si, par exemple, j'ai assez de diamants pour faire la deuxième toile, pourquoi pas essayer d'en faire 2? Ça serait marrant. Bon, on en reparlera. Mais voilà, au niveau de la quantité, ça ne me faisait pas peur. Ce que j'avais peur, c'était qu'ils oublient une des DMC, parce que ça peut arriver. Hein, voilà. La personne qui faisait les comptes ce jour-là avait la tête dans le fion, ou je ne sais quoi, ou les idées ailleurs. Ça peut oublier ça peut arriver d'oublier une DMC. Donc, j'ai fait mon calcul, il n'y a pas de souci. J'ai bien... toutes les DMC et j'ai bien toutes les couleurs et surtout bah, le nombre de diamants, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous montre ça, donc j'ai 2 sachets. Donc chez Evermoment, ce qu'ils aiment bien faire, c'est mettre les petits sachets dans un sachet et les gros sachets dans un autre sachet.
Alors, ça dépend des toiles. Quand c'est des petites, en général, ils vous mettent ça que dans un seul bag. Mais moi, vu que c'est une 40 par 50, donc c'est pas une très grande toile, mais du coup, tout ne devait pas rentrer dans le même. Donc, ils m'ont quand même fait deux sachets. Voilà. Donc là, j'ai tous les petits sachets. Donc, ils disent que dans ceux-ci, il y a entre 180... Il me semble que c'est ça, hein, 180... Que je vous dise pas de bêtises... Non, entre 160 et 200 diamants. Voilà, donc ça, c'est les petits. Normalement, chez les autres vendeurs, on dit tout de suite qu'il y en a 200. Eux, ils sont honnêtes, parce que chez certains vendeurs, il n'y en a pas 200. Hein. Ils sont honnêtes, ils disent que, voilà, il y a entre 160 et 200 diamants. De toute façon, ça se voit. Regardez, j'ai deux sachets. Ça se voit que celui-ci est beaucoup plus rempli que celui-là. Voilà, donc ils se laissent une marge d'erreur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, donc là j'ai tous les petits sachets, donc vous voyez j'ai des couleurs magnifiques, c'est que des bleus comme ça, là il y a plein de tons différents, c'est magnifique, franchement j'adore. Voilà, après on a beaucoup de teintes de vert aussi comme ceci, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est tous les petits sachets. Et ensuite, donc dans l'autre sachet, dans l'autre bague, on a, je ne vais pas réussir à les remettre, on a les gros sachets. Donc là, normalement, ces gros sachets, je vais vous les montrer chez des vendeurs, chez des autres vendeurs, on va dire des vendeurs lambda. Ils nous disent que dans les gros sachets, il y a 1000 diamants. Chez Evermoment, c'est pareil. Ils se laissent une marge d'erreur. Et donc, ils nous disent que dans les gros sachets, il y a entre 800 et 1000 diamants. Ah oui, c'est là ce qui me semblait. J'ai fait tomber des petits sachets. Alors. Hop. Voilà. Donc, les gros sachets... J'aurais dû garder les petits pour vous montrer la différence. Voilà, ils sont beaucoup plus gros quand même. Donc là-dedans, il y a entre 800 et 1000 diamants. Alors que... Oh. Ce serait bien que je trouve la même couleur. Voilà, c'est la même couleur. Voilà la différence. Donc on voit quand même bien la différence. 160 à 200 diamants, 800 à 1000 diamants. Voilà. Donc c'est pareil, hein, là, les couleurs... C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Surtout qu'en plus, chez Evermoment, c'est plutôt des toiles sombres que j'ai. Ma toile de Noël, vous l'aviez vu avec le Père Noël, c'était quasiment, c'est soit blanc, soit 939. Ma rose de La Belle et la Bête, c'est pareil, elle est assez foncée. Et j'ai la petite fille au panda. Elle est un peu plus foncée. Donc, celle-ci, elle est vachement colorée. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, ça change. Et puis, je pense que la prochaine fois, si je dois recommander chez eux, j'en prendrai une, si je peux, qui me plaît. Et je prendrai une petite taille. Hein, parce que vu le prix, voilà, je ne peux pas me permettre de prendre une 1 mètre par 80. Mais j'essaierai de prendre quelque chose de plus coloré. Voilà. Donc, voilà pour cet unboxing de malheur. Et donc, bah, je me suis dit que, vu que ça avait été un petit peu un unboxing catastrophique et où j'étais en colère sur la première partie, et bah là, je vais en profiter pour vous faire une petite surprise à la deuxième partie. Donc, ce matin, j'ai été faire mes courses. Donc, voilà, mes courses normales, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, moi, je fais mes courses chez Leclerc. J'ai un Leclerc à côté de chez moi. J'aime beaucoup leurs produits et leurs prix. Voilà, mais à côté de ce Leclerc, il y a un Aldi. Et j'en ai parlé avec ma copine Stéphanie. On a vu des posts sur Facebook où les personnes marquaient que voilà, elles avaient trouvé des diamond paintings chez Aldi. Donc bah, je me suis dit, je vais faire mes courses. Le Aldi est à côté, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Et bah, j'ai bien fait. Regardez ce que j'ai trouvé chez Aldi. Tadam! Donc ce sont bien des diamond painting, donc ce sont des diamants spéciaux et ce sont des mandalas. Voilà, donc il y avait 4 modèles différents, bien évidemment j'ai pris les 4. Donc on en a un comme ceci, je vais vous ouvrir les boîtes de toute façon.
Et en fait, c'est des couleurs différentes. Voilà, on a un vert pastel, un violet pastel, un rose pastel et un bleu pastel. Tous ces DP sont au prix de 4,99 pièces. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça très très cher. Parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le carton il est quand même très très grand. Ça fait limite la taille d'une boîte à pizza quoi. Une petite pizza, mais une boîte à pizza quand même. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai oublié de prendre un ciseau. J'en ai un juste là parce que j'ai vu qu'il y avait du scotch. Voilà. Hop. Donc du coup, j'étais super contente de tomber sur ces DP. Donc on va regarder ça ensemble. Petit unboxing surprise en plus. Donc sur la boîte, donc devant. Donc ils appellent ça de la broderie avec brillant. Voilà. Mandala en broderie de brillant loisirs créatifs. Donc dessus on voit bien la toile hein, que c'est du DP et ce sont des strass spéciaux. Voilà. C'est fabriqué en Allemagne, mais pourtant c'est bien écrit en français partout sur la boîte. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a ce qu'il faut faire derrière, hein, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Voilà, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le DP, c'est très très bien. On a la procédure en dessous écrit, oui, le 1, vous pouvez voir dans le tableau d'aperçu de la toile quel signe correspond, enfin voilà, ils expliquent tout. Et donc on a dans cette boîte un mandala sur toile 30 par 30. Un stylo applicateur avec gomme collante, donc un stylet avec de la wax. Une tablette, donc ça j'imagine que c'est une barquette. 10 différents brillants acryliques, une pince et un kit de montage. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Hop. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que la toile elle est énorme. Oh, ok, je comprends mieux. Oh, bah alors là ça vaut encore plus le coup quoi. C'est en fait, c'est carrément sur toile. C'est sur châssis quoi. Oh, c'est cool. Ah ouais, c'est vraiment top quoi. Oh. Ah bah je suis contente, franchement. Je suis carrément contente quoi. Donc voilà, le bleu ciel, c'est celui-ci. Donc il est magnifique en plus. Il est vraiment très très beau. Donc c'est un mandala rond, mais sur toile. Et donc derrière, vous voyez, il est protégé d'un film plastique. Donc par contre, j'ai peur que si je retire le film plastique, ça va être compliqué. Et derrière, on a tout le nécessaire. Alors, je vais ouvrir le premier, mais je vais peut-être pas les ouvrir tous. Parce que j'ai bien l'impression... Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, je vais peut-être pas les ouvrir tous quand même, mais au moins celui-ci pour que vous voyez. Voilà, il y a bien du papier transparent dessus. Donc ça, c'est cool. Il est super épais en plus. Il est vraiment super épais. Ça colle plutôt bien, on va dire. Ça va. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est bien marqué export Allemagne. On a l'adresse et tout ça. Hop. Voilà. Donc dans le kit, on a donc la petite feuille. Donc là, on a 8 couleurs. Sur ce mandala, si. Alors que c'était marqué 10 derrière. 10 différents brillants acryliques. Non, là, on n'en a que 8. On a deux petites accroches pour tableau. Donc ça, c'est cool, avec les vis qui vont avec, pour l'accrocher au mur après. On a un toolkit. Alors, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai déjà vu, mais j'en ai pas à la maison. Alors, on a un stylet rose de base. Ça, vous connaissez, on en a dans tous les kits. On a de la wax, un pain de colle carré. Il y en a carrément trop, mais voilà, il y a ce qu'il faut. On a une pince en alu. Eh oh, pas de bagarre derrière. Une pince en alu comme ceci, qui est droite. Je suis pas sûre qu'elle soit terrible, mais bon. On essaiera. On a la dose de sachet. Donc ça, c'est cool. Je sais pas combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 9. On en a peut-être 9 ou 10. J'en ai peut-être loupé un. Mais voilà, on en a pas mal. Et petite nouveauté pour moi. Donc ça, j'en ai pas. On a une barquette comme ça. Donc elle est rectangulaire.
elle est striée et elle n'est pas très épaisse parce qu'en fait, j'essaie de retirer le morceau de bois qu'il y a derrière. En fait, de l'autre côté, voilà, c'est pareil. Les deux faces, on peut s'en servir, les deux faces sont striées. Donc vous voyez, elle n'est pas très 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 épaisse, donc à tester. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bec verseur, mais 2,5 mm, 2,8. Alors, du coup, je pense que c'est les rainures. Celles-ci, elles sont un petit peu plus... Alors vous, vous n'allez rien voir, forcément. Elles sont un petit peu plus écartées que celles-ci. Celles-ci, elles sont un petit peu plus rapprochées. Mais bon, il y a 0,3 mm d'écart, donc je ne suis pas sûre qu'on voit grand-chose, quoi. Ça peut être bien pour les diamants spéciaux, parfois, qui restent coincés dans les rainures. Je testerai, je vous ferai une vidéo là-dessus, on fera un mandala ensemble. Et puis je prendrai leur kit là, comme ça je testerai la pince, la wax, je testerai tout avec vous. Voilà, donc pour le toolkit qui est plutôt pas mal, ça va, de toute façon on a ce qu'il faut. Hein. Et donc, nous avons les diamants. Donc les diamants, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir, hein, des sachets en ribambelle. Et donc, on a bien 8 couleurs. Alors, bon, pour commencer, nous avons des diamants AB noirs. Donc ça, c'est cool. Ils sont magnifiques. Ensuite, on a plein de petits ronds comme ceci. Donc, c'est des strass, mais plus gros que ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est des petites boules, je me rappelle, pour les trucs de Noël, c'est ce qui se servait pour, sur les DP pour faire les petites boules de houx. Voilà. Ça, c'est le même. On en a pas mal et on en a deux sachets. Donc ça, on en a pas mal à mettre partout. Ensuite, on a le même principe, mais en doré. On en a des nacrés bleus, trop belles. Ah bah, les nacrés bleus, on en a deux paquets, donc pareil, il y en a pas mal. Oh, ceux-ci, ils sont trop beaux. On en a des énormes bleus. Et vous avez vu la quantité qu'on a. C'est impressionnant, quoi. Ensuite, j'ai des petits yeux de chat couleur champagne. J'en ai des plus gros. Alors, ceux-ci, c'est pareil. Ils sont très, très beaux. Ils sont... à la base, ils sont rouge-orangés. Mais en fait, il y a tellement de reflets dessus que selon l'angle où on les regarde, ils peuvent être jaunes, ils peuvent être bleus, ils peuvent être verts, ils peuvent être roses. Enfin, voilà. Ils sont vraiment très, très jolis. Et j'ai les mêmes en violet. Voilà. Vous avez vu la quantité de diamants qu'il y a dans le sachet. C'est impressionnant, quoi. À part celui-ci et celui-là, les autres, ils sont pleins à craquer, quoi. Bah, franchement, c'est top, hein. Je suis trop contente. J'étais déjà contente de les trouver parce que mon Aldi, il est un peu pourri en ce moment. En fait, ils l'ont déplacé dans un magasin qui était vide parce qu'ils ont détruit l'ancien Aldi pour en faire un plus propre parce que le bâtiment était tellement mort que c'était plus facile de tout détruire et d'en reconstruire un neuf. Donc vu que là, j'ai un Aldi un peu temporaire, je me suis dit c'est pas gagné que je trouve quelque chose. Et bien si, le rayon, il était quand même bien blindé. Bon, une fois que je suis passée, il y en avait moins hein, parce que j'ai pris également des kits pour Stéphanie. Donc j'ai pris 8 kits. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit peu une radia, mais il y en restait encore. Et franchement, je suis carrément trop contente. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, donc ensuite, alors je vais peut-être pas tous vous les déballer parce que là, la vidéo, elle est déjà très longue. Donc elle va être encore plus longue. Je vais juste vous ouvrir les boîtes pour que vous voyez le mandala en vrai. Et puis on ne regardera pas les diamants, c'est pas grave. Alors, celui-ci, il a 10 couleurs. Je vois la petite feuille de route. Donc, waouh! Celui-ci, il est trop beau aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, il faut aimer les mandalas, hein, bien évidemment. Ce ne sont que des mandalas. Donc là, ouais, on a 10 diamants spéciaux. Donc, on a des ronds. On a... voilà. Je ne vais pas vous ouvrir, mais on a le même kit. Et voilà ce que donnent les diamants. Il y a, contrairement aux DP qu'on a d'habitude spéciaux où il y a beaucoup de formes rondes, là il y a beaucoup de formes rondes, mais c'est des gros diamants quoi. Donc c'est impressionnant. Donc celui-ci c'était le kit rose. Ensuite le violet. Les violets, oh là là, il y a des diamants AB violets. Oh, j'en ai jamais vu des comme ça.
Oh là là, il est trop beau. En plus, ils sont tous différents. Oh, magnifique. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, la seule chose... Donc, il y a 9 couleurs dans celui-ci. Et vous voyez, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait des diamants AB violets. Oh, c'est top. Oh, je suis trop contente. Bon, ils veulent pas se... La feuille est coincée. Donc, il y a des demi-perles. Il y a des AB bleus aussi. Il y a des AB roses. Non, mais alors, celui-là, ça va être une tuerie. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va être beau. Donc, c'est le kit violet, celui-ci. Voilà, et enfin, pour finir, le kit vert. 4,99€, vous imaginez ? C'est même moins cher que sur Ali, c'est impressionnant, quoi. Ah, franchement, s'ils en sortent d'autres, j'y vais direct. Hein. Ils sont trop, trop beaux. Alors, celui-ci, il est comme ça. Donc, celui-ci, avec les petites courbes et les couleurs qu'il y a, il me fait penser plus à une version un peu africaine. Alors, après, c'est peut-être les couleurs de la toile, hein, parce que parfois, les couleurs des diamants, ça change un peu. Mais il me fait penser plus à ça. Alors, donc là, je vois plus de strass spéciaux comme on a l'habitude d'en voir, des ronds, des petits ronds. Par contre, je vois pas le nombre de couleurs. Il y en a 10. Il y a 10 couleurs. Et là, je vois des AB verts. Je vois des strass spéciaux bleus, des strass spéciaux rouges. Non, orange. Voilà, je vais vous montrer. On ne voit pas grand-chose, hein. Voilà. Et bah dis donc, franchement, je suis carrément trop contente. Ça vaut carrément. Franchement, j'ai hésité. Hein. Je les voulais, mais bon, ça me faisait quand même payer 20 balles de DP alors que j'ai du stock à tire-larigot à la maison. Mais je suis carrément trop contente, quoi. Ils sont trop bien. Ouh, oh là là, j'adore. Bon, bah écoutez, je vous retrouverai pour faire un des 4 avec vous. Donc, je ne sais pas lequel. À la rigueur, dites-le moi en commentaire. Je vous ai montré tous les modèles. Dites-moi le modèle que vous souhaitez que je fasse. Comme ça, c'est vous qui allez choisir. Vous me choisissez un modèle. Et puis, dans quelques temps, on se retrouvera pour une vidéo DP, mandala, diamants spéciaux de chez Aldi ensemble. Voilà. Donc, vous me mettez en barre d'infos, hein, soit vert, violet, rose ou bleu. Et vous choisissez celui que vous voulez que je fasse. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc elle finit mieux qu'elle n'a commencé, hein, bien évidemment. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !